The Calmlands. Long ago, the High Summoners fought Sin here. The road ends here. Beyond, there are no towns, no villages, only endless plains. Many summoners stray from their path and lose their way here. En vrai, ça serait pas plus simple d'invoquer Bahamut, d'aller sur son dos, de traverser la plaine? I've always known where to go. I won't let you die. I'll find a way, somehow. Let's go. Bah c'est bon, soit pas... I told Yuna, I would find a way. Pas aussi autoritaire. I guess I wanted to believe that words could make it come true. Mais il y a quand même un village là-bas. J'aurais pas un coffre par là. Ah, et un manuel d'Albed. OK. Ah oui, c'est de la glace. Ouais. En vrai, Riku. Eh, mais du coup, piller ça marche aussi. Sur lui. Bon, en vrai, voler juste ça peut le tuer. Donc, on va pas dépenser de la mana pour rien. Oh non! Elle dort. Poudre onirique. Mais rien n'a pris. Brasier plus. Quoi? Mais c'est pas censé faire deux fois plus de dommages? Enfin non, 1,5 fois, les dommages. Des bordels de merde. Mais non! C'est honteux. J'ose espérer qu'un brasier simple fera au moins 32 PV. Hey, Tanki à la magie! Compétences, Yuna, soin plus, soin simple. Non, c'est pas un manuel d'Albed. C'est quoi? Ah, c'est une quête annexe, a priori. Regardez, on ne peut pas le prendre. Mais il est bien physique vu qu'il me repousse. Riken marche à 100%. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai l'impression... Ouais. Ok. Ok, tiens. Et lui, c'est de la glace aussi. Non, c'est du feu.
Fuck. Ok, petite esquive, au calme. Du coup, j'en profite pour prendre Riku. Potion Hypello. Je sais pas ce que c'est. Oh, mais genre... Papaye. Je sais pas ce que c'est une potion Hypello. Ah, c'est le moment sympa où on doit... Alors, Tetra élément, tiens, d'ailleurs, que j'avais volé. Restaure les HP d'un allié et le protège des 4 éléments. Ouh. Potion Hypello sert sûrement à quelque chose. Merci le jeu. Une description qui m'aide énormément. Fonctionne probablement de la même manière que la potion Albed, vu que les Hypello sont aussi une race de Spira. Eh bien non. Elle s'est pas endormie. La poudre onirique, je sais pas ce que c'est du coup. Non. Courage. Peut-être récupérer de la santé. De la poudre à sniffer. Hey. En fait, Riku, elle tape pas fort, mais elle tape souvent. Je sais pas quoi penser de cette information, mais... En vrai, il faudrait que je joue Yuna hein, pour débloquer les sorts de soins. Vu que je te dis à quoi sert la potion Hypello. Non. Ça ira. Je ne veux pas d'indication. Alors que Shiva. Please help us. Non. Bon. Oh, le kick. Ah oui, c'est vrai, il faut utiliser la magie. Ah. Allez hop. Et il prenait que 50%. Comment elle se la pète, elle ? Abusé. Y'a rien là. Des chocobos. Le problème c'est que là si je l'invoque. Il a de la magie, ça va le faire. Glacier plus, c'est suffisant. Overkill, 100%. Quoi ? Parlez trop vite. Ça me choque toujours de voir Maurice dans la liste des invocations. Allez hop, ça dégage.
Très bien. Bonjour monsieur. Perhaps you'd like to know a bit about these planes. Bah écoute, ouais, s'il te plaît. Mm-hmm. As you know, these planes were once a battlefield. A great battle between Bavel and Zanakand, a melee of machina. That war left this place a barren, lifeless land. Then time passed. The summoners took note of this uninhabited land. Great battles could be fought here with no harm to the common folk. Perfect for a final battle with sin, as it were. Summoners wait here, ready to perform the final summoning. Ah, to know what they must feel. In any case, when sin is defeated here, the calm will visit Spira once more. That's why this place is now known as the Calm Lands. Exactly who dubbed it so is unknown. And that, as they say, is that. Ok. Allez, bisous, hein. J'étais pris par surprise, mince. Oh, il y a 4 ennemis cette fois. Alors, c'est réunion d'handicapés, là. Ils ont tous un truc. Déjà, on va buter la machine. Qui m'arrive ? Hop ! Ça c'est fait. Compétence de Yuna. Pour Kimari et pour Oron. Alors les petits chocobos, est-ce que je peux les monter? What should I do? What should I do? Esquive. Aïe. Piller. Ah, super. C'est la glace aussi, ouais. Overkill. Le lion. Le loup, pardon. Il nous esquive. En plus, on dort. Parfait. On se réveille. Peut-être le moment d'utiliser une petite potion d'Albed. On va réutiliser une parce que... Ouf, quoique. Crochet venimeux. Allez, Oron, cette fois-ci, tu réussis. Bien joué. No time to waste. Let's go. Ça me trigger toujours de pas savoir ce qu'il a dans sa gourde. Hein? Nani, c'est quoi le but du move là? Bienvenue au comptoir ambulant de Rin. Nous avons tout ce qu'il faut pour se préparer à un long voyage. Vous devriez faire quelques provisions avant de vous aventurer dans cette immense plaine. Ouais. Je comprends toujours pas pourquoi tu nous as foncé dessus. Mais... Bah, les couilles. Ok. Et niveau stuff. Trente-huit mille.
Plus 16% de physique. En vrai, c'est pas ouf, 16%. Parce que je perds analyse et je perds percée pour 6%. Là, c'est intéressant. L'anneau, pas ouf. Le poignet, poignet, c'est pour Auron. Pourquoi il aurait besoin de 35% de MP? Aucun intérêt. Auto-guérison, ouais. Et là, pareil, le bâton, il pourrait être intéressant. Le problème, c'est que Yuna, elle a aucune attaque. Donc on s'en bat les couilles actuellement. Après, vous me direz, c'est toujours plus utile que d'avoir une attaque poison, sachant que j'attaque jamais. Comme ça, dès que j'aurai un truc physique, ça sera plus une attaque, ça sera plus intéressant. Allez. Vendu. La pauvre machine qui se fait one-shot à chaque fois. Regarde vite fait, crochet venimeux. Okay. Mais j'avais chopé un autre truc là. La poudre onirique. Des dégâts et sommeil, d'accord. Pas ouf. Faut que j'XP Yuna, donc on va faire un soin plus sur Auron. Heal us. Mais... Putain, il prend 800 du poison. C'est énorme. Bien joué. No time to waste. Let's go. Dit-il en étant en silence. Yuna, tu vas avancer un petit peu, tu vas débloquer une lucière physique. Tu peux gagner pas mal de chance. Ah, il y a une porte 4, c'est bon. Putain, il faut tellement l'XP pour qu'elle arrive jusque soit max. C'est honteux. Marie qui suit les pas de Lulu, hein, vraiment. Le pire, c'est Morissette, suicide en cours. Ah oui, non, ok, tu reviens sur ce que disait Ista il y a 10 minutes, ok. Ah, il y a quelqu'un qui a Rico. C'était le pire et en même temps, c'était Final Fantasy VIII. Est-ce que c'est vraiment gênant d'avoir un nom de merde dans Final Fantasy VIII ? Soigne. Et il me soigne. Voilà, full rentable déjà. Et là, j'ai plus qu'à achever le flambos. Le flan.
Voilà. Trop facile. On va refaire la même. Hein. Ça marche bien, c'est rapide, sans bavure. Ça permet de préparer sa barre d'overdrive aussi. Faudrait que j'utilise Lulu plutôt pour m'approcher des magies X. Une princesse Leia. Ah mais c'est celle ouais. C'est celle qui où on combat avec des invoques mais je peux pas encore je peux pas encore le faire. Bah Mute est mort. Non, Riku plutôt. Ryuken. Bon, 46 PV, c'est déjà ça. Par contre, vous imaginez pas à quel point je meurs de chaud là actuellement. Je vais la voir après. Je voulais juste sauvegarder. Father Zook. Long time no see. You are Yuna? You certainly don't look like Mr. Kinnock's murderer. What you say? Please, tell us what has happened. Maester Micah just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Maester Kinnock and fled. We are to kill you on sight, or so it says. Lol. What of Bavel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent. After the death of Maester Kinnock, Kelk Ronso left Yevon. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. You should avoid temples for the time being. Thank you, Father Zook, for your warning. Father, you came all the way here just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. I must be off. I shall pray for all of you. En tout cas, ils sont bien pour le confinement. Ils ont déjà le masque qui arrive en haut du nez. Pas mal comme tenue. Masque incorporé. Ils ont tout compris. Et si, est-ce qu'on ferait pas un match de Blitz? Non, je déconne. Je déconne évidemment. Bonjour. Est-ce que t'as des nouveaux trucs? Oui. Ouais, non, t'as rien de nouveau, toi, et... Non! Tu peux jouer au Blitz alors que t'es recherché, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eau bénite. Zombie et fléau. Oh, ça, c'est nouveau. S'il le donne, c'est que ça sert, par contre, 300. Hein. Voilà, comme ça, on est full en grenade.
On se met bien. Alors, j'ai un message de la part de Cid. On est en train de réparer le vaisseau. On viendra vous chercher quand... ton aura fini. Pendant ce temps, occupez-vous bien de Yuna. Si jamais... lui arrive quelque chose, je vous le pardonnerai jamais. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. Je suis... Ouais, je parle couramment le... She's not stopping, is she? L'albed, ouais. Yuna, she's made her decision. But I can't just let her go. We won't have to. We'll save Yuna even if she calls the final Aeon. But how? I'll think of a way. But what if you can't? Attends. I'm tired of talking to you. It's always but this, but that. But... let's think together. Okay. And... if we can't think of something... we find another way. Okay. Ça ne veut rien dire. Messy. What is? Yevon, Micah and Seymour are not of one mind. Remember what Seymour said last we met. I do not think Micah will concur. When I was guarding Zook, I already told you this, yeah? About when I was too into the game to be a good guardian. So, when Father Zook said he wanted out, tell you the truth, I was kind of glad. D'accord, je ne savais pas. Gaga Zed is Ronso land, Kimari home. Hey, we might meet your family. Kimari has no family. Oh, sorry. But Kimari not alone. Très bien. Who was that? Until half a year ago, he was a summoner. Waka and I were his guardians. It's kind of a short pilgrimage. He gave up halfway. Here, on this plane. Now he is a monk at the Bavel Temple. So, we are officially traitors then. Hey, let them say what they want. It's okay. I'm not worried. Well... maybe just a little. It's so hard not to be. Hey, it's okay to worry, and if it gets too rough, just yell! Yell... Okay. I might just do that. Yeah! Monk, ça veut dire moine, mais après, je sais pas, en anglais, s'il y a une énorme différence entre moine et prêtre. Oh. Toi, là. Tu veux te marave? Oh, you again. You're quite the notorious traitor these days. What's it to you? Oh, you shouldn't take what the Maesters say too seriously. For summoners, destroying sin is everything. We are no tools of Yevon. Understand? Yes. So, are you up to the task? I do not know, but I will do my best. You've got spirit, but you'll need more to beat sin. An Aeon duel. Show me what you're made of. Excellent. But before we begin... I've just healed your aeons for you. Let us begin. J'ai Ifrit chargé à fond. Dommage, hein. Désolé Shiva, hein, mais... En même temps, les trois invoqueurs connus pour avoir vaincu Sin ne rentraient pas dans les codes de Yevon. C'est vrai.
Choose your Aeon well, Summoner. Oh bah oui, je sais qui je vais prendre. Désolé, désolé Shiva, mais... Je pense pas que tu vas kiffer. Allez, salut. Ah oui, même ça c'est accéléré. Très bien. En utilisant l'option élevée, vous pouvez augmenter les caractéristiques des chimères. Vous pouvez ainsi compenser leurs points faibles, comme les HP de Shiva ou la rapidité de Bahamut. Et Ifrit, c'est quoi? Mais j'ai pas élevé. Bon, j'ai 8000 PV d'avance. Élevé, c'est dans les menus. Ah. Ah merde. J'attends qu'elle fasse glacier plus pour faire stock. Et donc c'est bien deux attaques, j'étais pas sûr. Voilà, là je fais stock. Voilà, Divine Comédie numéro 2. Voilà. Rien que Braskak s'est marié avec une albède. Oui, et puis il y a aussi le ses gardiens qui étaient pas trop dans la norme quoi. Stop. That is enough. Rect. Impressive. Remarkable talent. Traitor or no, you may have what it takes to beat Sin. Take this. You have earned it. Sarfzik Votrant. Cœur de chimère. Thank you. Cœur de chimère. I think you will do just fine. But if you ever feel like you want more training, seek the hidden temple of Remium. I will be waiting there. Farewell. Non, je t'avoue, non. Alors, examinez machin. Maintenant que vous avez le cœur de chimère, vous pouvez augmenter les caractéristiques des chimères en utilisant des objets. Pour ce faire, sélectionnez l'option élevée. Et choisissez une chimère. Maurice, évidemment. La liste de ses caractéristiques apparaît, celle que vous ne pouvez pas augmenter sans affichant en gris. Chaque caractéristique est indiquée avec sa valeur actuelle. Ici, Maurice a 20 en force. Le type d'objet nécessaire à l'augmentation est indiqué en haut à droite. Le nombre d'objets nécessaires varie en fonction, blablabla, yes. Plus elle est haute, plus le nombre d'objets nécessaires est élevé. Choisissez ensuite la caractéristique à augmenter. Il vous est alors demandé de confirmer votre choix. Il ne vous reste plus qu'à choisir 8 pour valider l'option. Voilà pour les explications concernant l'option élevée. Putututu. En vrai, c'est vrai que j'ai rarement été voir les trucs d'amélioration de... Les améliorations de... Comment ça s'appelle? De chimère. Mais on sait qu'on... Ah, c'est 100 points seulement. Putain, vu combien ça bouffe en jauge... En sphère, c'est mort. Gandalf qui a instauré le système d'aider la populace pendant son pèlerinage. Ok. Bon. Vu l'heure...
Vu l'heure, je pense qu'on va arrêter. Hein. Je vais regarder à la limite à gauche, voir s'il n'y a pas hein, des coffres là, ici. Oh! Des chatons! Des cougars, mais... Source magique. Je crois que ça m'intéresse. Ah. Il faut que je vérifie, mais source magique. Ah non, pas du tout. Sont faibles à quoi? Je sais plus, putain, merde. Ah. Ouais, ils sont protégés de l'électricité et de la glace, mais par contre, le feu et l'eau, ça leur fait mal. Non, au mieux... Enfin, je vais faire autre chose. Je vais prendre elle d'abord. Leur car. C'est pas bête. Valfort. Un petit Valfort. Le boss le plus difficile en Nosphère Grid n'a pas pu être battu. N'a pu être battu qu'avec ses chimères, avec les stats à fond. Et vu le grind que ça aurait demandé, le mec a utilisé un cheat code pour ça. Ah bah super. Super, hein, ça veut faire son malin à jouer d'une certaine manière et... Un peu naze hein, quand même Valfort. On va pas se mentir. Il est vivant. Il est mort. Dommage, j'ai venu de récupérer son overdrive. Ah, Valfort ne sert plus vraiment à grand chose à part servir de punching ball à la limite. Mais... Ah, super. Le problème c'est que de base il savait pas si le combat était possible, je crois que c'est le seul qui l'a battu justement. Quelle aurait été l'utilité de farmer pendant des centaines d'heures si tu savais pas si le combat était possible? Bah, respecter ton challenge en fait. Genre si tu te lances un challenge, le but c'est, ouais tu sais pas si ça marche ou pas, mais dans ce cas là... Enfin, je sais pas, c'est... Soit t'essayes de simuler via des calculs si c'est possible ou pas. Soit ben tu t'expérimentes. Tout comme si tu speedrun, tu sais pas s'il y a des OOB et au fur et à mesure c'est découvert en expérimentant. Attention! Ah bah super. Enough. Bam. Il est mort. That's how it's done. Putain mais ils sont forts ces mobs. Ah, ils sont tanky. Ils ont pas de faiblesse. Je vois pas de coffre, je vois pas de coffre, je vois pas de... Ouaf. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Oula, ils sont en feu. Attendez, hein, je regardais un petit peu
pas sur Riku. Merci. Oh. Hop, Riku soigné. Ryu qui commence à avoir pas mal de PV, hein. Ça fait plaisir. You place too much trust in your magics. Fais quoi en fait là? Bah je regardais s'il y avait des coffres avant de. Avant d'arrêter. Sur le côté. Puis du coup ça permet d'XP un peu. Pas perdu. Bah alors on est naze. Là je vais aller sauvegarder et je vais aller arrêter je pense. J'ai rien vu de loin. Comète. Alors, de mémoire, c'est... Putain, mais je... D'accord. No time to waste. Let's go. Le mob a juste disparu en fait. Griffe de glace. Ah donc. Peut-être avoir encore un combat. Oui, non. Ouais. Évidemment. On avait dit, Ifrit, ça marchait bien. Tu lui as Mawashi guéri la gueule en fait, c'est ça. Mais avec une épée plutôt qu'un coup de pied. Allez, bam, overkill, un de moins. Et là, je me fais heal. Bam. Et je recommence. Bam. Et là, je me fais heal. Là, je rappelle. Avec j'allais dire Yuffie, pas du tout, avec Riku, je prends ça. Et là, j'amène Lulu. Petit glacier plus. Overkill en plus. Ça fait plaisir. Yuna qui a 3 points. Not bad. Ok. Je me disais what, cinématique. Ok, alors. Bah non, en fait, j'ai rien d'accessible. Lulu, rien. Yuna, 3. Alors, Yuna qui va venir jusque là. Et qui va récupérer de l'esquive, ce qui est agréable. De la magie, ce qui est agréable. Et des MP, ce qui est agréable. Ça va, c'est si long. Si long à monter tout ça. Au rond. Bon, tu vas encore gagner des HP parce que why not. Au rond le tank. Ok, bon, on va s'arrêter là. Demain, du coup, on va se taper toute la plaine. On va s'amuser. En tout cas, on a bien avancé. On a défoncé Seymour, mais de toute façon... Il y a très peu de chances qu'il soit vraiment mort, vu que ça semble être quand même... Bon. On verra ça, on verra, mais j'ai des doutes sur la mort de Seymour. Ouais, du coup, on continuera ça demain. Des bisous, et à plus, dans le bus.